Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien ou pas. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Beyond Good and Evil Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Elle doit pouvoir encore couper du métal pas trop résistant. Excellent. Oh. Je vais plus sortir de là. Pas terrible. D'accord. Travail de professionnel! Pas de pitié pour les grilles! Où elle était déjà l'autre du même genre, là? Tu revenir? Ça me rappelle la morue au kiwi et chocolat de ma tante Hortense. Allez, sors de ta face. Félicitations. Les données sur les mollusques sont rares. Hup!
Je comprends. Ok, quelque chose j'ai mal vu. Il faut que je revienne sur mes pas. Tu t'es pris? Ouais. Texte-moi. J'ai dû demander avant. Ça revient à la même place. Ça nous ramène à l'endroit qu'on va. Clairement que le front va. Sur moi, morflenouille! Ah, bon, on a l'affaire, il va pouvoir ouvrir ça maintenant. Je comprends. C'est parti! Pardon, monsieur l'homme. Laissez passer le spécialiste. Identification compte. Ok. En AP1, augmente d'un cœur la capacité de votre jauge. Je prendrai ça, moi. Bravo, Yann! Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Hola! Hey!
Et pas pour moi, Jade. Hey, Jade! On reste ensemble, Mildew! T'inquiète pas, je suis là, il t'arrivera rien! Ouais, c'est ça! Fous-toi de ma tronche en plus! À toi de jouer. Maintenant. Merci, Jade. Sans toi, je crois que... Y a pas de quoi, vieux Briscard. Allez, en route. Je sens que le meilleur est à venir. C'est parti! Attaque Jet Boots! Faut que tu m'ouvres, Jade! Bonjour madame, livraison de pizza. Bon. Et où lui? Hey, réveille. Ok. Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien. Oh, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah!
J'ai comme l'impression que t'as mis les pieds juste où il fallait pas, ma petite Jade. Donne-moi ton signal, Jade! Incroyable! Encore des Palinurus dans la région? À toi de jouer! Ton signal, Jade! Je savais pas qu'elle avait aussi le mode gourdin, ta pince multi-usage. Modèle D53, ma petite dame. Avec cisaillement et percussion. Cisaillement et percussion, ben voyons donc. Identification compte. Ok. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Une boîte de K-Bops régénère toute... Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Oh. Les coquilles de Nautile passionnent mes collègues mathématiciens. Allons bon, là autre chose. Non, pas faim pour l'instant. Allez! Deux bestioles du front. Tu leur tires le portrait, t'envoies le tout à l'autre soive et on passe à la caisse.
Sans où les bestioles du fin. Justement, il voit pas. Ou... Ah. Ça va là. Superbe, mademoiselle Jade. Mais rappelez-vous. Monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. Splendide. Je transmets à monsieur de Castellac. Excellent. Oh. Salut Jess. On va épiler la citrouille. D'accord. Jade, prends-le en photo. Oh, ça doit valoir des milliards. Rolimax, c'est un animal d'homme. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Ah, je comprends. Intéressant.
ralenti. Pas mal pour une chaînette et un vieux bout de l'art. On a réussi, Paige. Oh là là, sacré vieux tromblon. À mon avis, il est pas très très net, ce... Monsieur de Casteltruc. Félicitations, mademoiselle Jade. Tais-toi. Vous avez... J'ai deux mots à dire à ton patron. Ah, monsieur de Castellac n'a jamais existé. Je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. Mademoiselle Jade, vous avez brillamment réussi votre test en situation. Comment ça, un test ? Oui. Excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Le réseau Iris ? L'organisation rebelle ? La résistance, oui. Contre une menace que tout le monde ignore. Si personne ne réagit, c'est toute la population qui va y passer. Avec l'aide des sections Alpha, nous pouvons repousser les Doms. Les sections Alpha ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Pour chaque personne qu'ils sauvent, ils en font disparaître 10 autres. Les sections Alpha nous défendent depuis des générations. Ils soignent les blessés, repoussent les attaques d'Homs. C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance, qu'ils endorment votre méfiance. Ils vampirisent toute la planète comme ils l'ont déjà fait pour des centaines d'autres. Le gouvernement Ilien n'a pas eu le temps de réagir. Il s'est fait complètement museler. Mais nous pouvons arrêter les sections Alpha. Ah oui ? Et comment on peut faire ? J'y viens. Ils savent pertinemment qu'un soulèvement de la population leur serait fatal. Apportons au peuple l'épreuve de ce complot, et nous aurons la victoire. Jade, plus que jamais, le réseau Iris a besoin de personnes comme vous. Ralliez-vous à notre cause. Bien sûr. Si vous décidez de nous rejoindre, rendez-vous à la Koudabar. Demandez Belle Mirette. Vous êtes libre de choisir votre camp, Jade. Belle Mirette, tu dis ? À la Koudabar. Ah, j'y pense, retenez bien notre mot de passe. À l'abri dans sa coquille, la perle et l'esclave des courants. Mesure de sécurité ? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, au fait, j'oubliais votre récompense. À très bientôt, mademoiselle Jade. Alors ? Que pense mademoiselle Jade de tous Charagoyan ? S'il existe un moyen d'arrêter cette guerre, on n'a pas le droit de passer à côté. C'est là. On verra bien ce qui se cache derrière tout ça.
Belle Mirette, tu connais? Un coup d'abord, quartier piéton. Contact de Zoïris, rencontrer Belle Mirette. La Kouda Bar, c'est où ça? Ok. Approchez d'une zone dangereuse. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Peut-être là-dedans. C'est là-dedans, enfin. Faire un tour au quartier piéton. Moi, je suis partant. Fais un peu soif. Il y a encore eu 40 personnes enlevées cette nuit. Ouais. Encore un coup des Doms. On va tous y passer. Dans le journal officiel, ils disent que c'est le réseau Iris qui est derrière. Pas sûr que j'ai la bonne place. L'attaque d'homme n'a pas trop fait de dégâts. L'assassin et l'enfant sont là pour nous, mademoiselle. À l'abri dans la coquille de perles, les esclaves courent. Les perles sont rarement interdites par le gouvernement, mademoiselle. Bonjour. Avant toute chose, si tu veux qu'on fasse affaire, tu dois passer ta carte de crédit au décodeur pour identifier ton compte. Identification compte. Ok. À l'abri dans sa coquille, la perle d'esclave est courant. C'est un contrepétri. Attends, c'est pas facile. Le colibri, j'y réfléchirai. C'est bon, tu veux t'abonner à un journal? Au revoir. Je peux te proposer... L'officiel des listes, l'information citoyenne,
Élise Futé, bon plan, promo et astuces, qui lisent Futé, lisent Élise Futé. Tous nos abonnés sont à 50 unités, les abonnements sont à 50 unités pour une année. Ok, Élise Futé, c'est parti. Ok, t'es abonné. Tu vas m'abonner aux deux. Identification compte. Ok. C'est bon, t'es enregistré. C'est là, je pense. Félicitations! Vous avez choisi de vous abonner à l'officiel d'ILIS, l'information citoyenne. Félicitations! Vous appel à témoins! Les traîtres du réseau Iris se tairent. Ouvrez les yeux. Les sections Alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris. Salut. Un petit cru, n'oublie pas de mettre un carte de décodeur, s'il te plaît. Pas de soucis. Identification compte. Ok. Bon. Vous êtes très incroyable. C'est pour vous que j'ai mis ma perle en dents. Bonne chance. Les DOMS ont encore frappé il y a deux jours dans le quartier Ouest. Sans le courage exemplaire des sections Alpha, le bilan aurait été encore plus lourd. La campagne de recrutement s'intensifie. Très certain. Accès réservé aux personnes munies d'un City Pass. Bon, ça doit être la même chose par là. Coup de barre, c'est là-dedans. Salut, Mo. Salut, jeune. Oh, Paige, tu viens t'en jeter un petit? C'est moi qui régale. Tu dis, mais tu sais, pour le coquillage, faut voir belle lunette. À l'étage, comme d'habitude. J'ai trouvé un bon plan photo avec le centre scientifique. L'inventaire des animaux d'Ilis. Yeah, ça me fait dans les 100 à 3000 unités par photo. Pas mal, pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mieux? Beaucoup mieux, Jade, beaucoup mieux. Tu resteras muette. Une tombe. Moi j'ai pas assez l'âge, mais toi tu peux sûrement.
Un trésor, Jade, un trésor fabuleux planqué depuis des siècles dans la cratère du bol d'un volcan. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. La chute. Identifié, daté, archivé. Ah ouais. Ça avance vraiment bien. Bonne chasse. T'as dit quelque chose, Rufus? Avancez, mademoiselle! Venez tenter votre chance chez Belle Mirette! Une pièce dans ses tripotes. Ce léger fumet, tu enlèves les cochons au bord de la mer. Tu peux entrer ta chance en bon auto. Passe d'abord ta carte dans le décodeur, s'il te plaît. Identification compte. Ok. À l'abri dans les coquillages, perte de l'esclave. Intéresse aux perles? Attention, c'est parti. Je te donne la chambre numéro 3.
Je suis sûr que tu l'apprécieras. Il y a une magnifique armoire ancienne. Je te recommande d'y jeter un œil. Salut Olivier, comment ça va? Ok, digitalisation terminée. On est amené à se revoir, mademoiselle. Vous êtes douée. C'est Chang qui a dit. Ouais, puis une fois que j'ai le code, qu'est-ce que je fais? Je l'oublie, moi, le code, là. Ouais, faut que je regarde à nouveau la lui. Il écrit sur l'étiquette, ok? Puis l'étiquette est où? Ok, mais ma carte, hein. Q9C8. Désolé Rufus, je te force un peu la main, mais Ilis en a plus besoin que toi. Ah là, ben...
Non. 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 Je crois pas, non. Ou plutôt débarrasse-moi de cette étiquette. Qu'est-ce que c'est? Les codes des coffres des sections alpha ou des stocks, ce qui les ordures. C'est où est le coffre? Dans une remise près de la fontaine sur la droite. Je voulais seulement nourrir ma famille. Je n'aurais jamais dû le récupérer. Avant même de pouvoir l'utiliser, je me suis retrouvé seul, ils ont enlevé tous mes liens. Ce n'est pas seul, courage. Oui, si tu mets le nez dehors, c'est les tiens qui feront aimer. Faut que tu me parles de réseau Iris. J'ai cru le temps de leur beau discours. Mais c'est fini maintenant. Ok, yette la garde! Je vais prendre une photo au cas où, là, parce que tantôt, on dirait que je trouvais plus mon code. Ah, le code. Ticket de chambre. W4J8. Mes amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais. Approche. Voici May, rédaction et diffusion de Iris, notre journal. Nino, écoute radio, transmission et colleur d'affiche infatigable. Salut. Sur ces écrans, tu peux voir la plupart de nos correspondants. Ils opèrent à travers l'univers sur plus de 13 systèmes différents. Tu connais déjà Belmirette? C'est lui qui a eu l'idée de te proposer le job, il savait que tu réussirais le test. Bien sûr, ça crevait les yeux. Elle a du talent, la petite. Bien, écoute, Jade. Les événements s'accélèrent. Une bombe d'hommes a explosé dans les canaux. Bien sûr, les sections Alpha ont bouclé le secteur et ont embarqué tout le monde. Pour les soigner, tout simplement? Aucun hôpital n'a reçu les victimes, Jade. Dès l'annonce de la nouvelle, le gouverneur d'Ilis nous a contactés. Elle est prête à nous aider, mais son QG est sous surveillance. Tu peux nous aider à sauver ces gens, Jade. Nino, fais-nous un point sur la situation. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs, puis chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de double H dans la fabrique de neutrines. C'était notre meilleur agent. Et un ami. Double H devait rapporter des preuves du trafic des Doms. Ces derniers clichés sont terrifiants. Un mangeur d'esprit ?
Il faut reprendre la mission, Jade. Tu peux refuser. Continue. Nous avons besoin de preuves. 1. Tu t'infiltres dans la fabrique de neutrines. 2. Tu prends des photos des sections Alpha et de leurs victimes. Tu resteras en liaison permanente avec May. Elle diffusera tes clichés aussi vite que possible. Les gens doivent connaître la vérité. Moi aussi, je dois savoir. Je dois savoir qui dit la vérité dans tout ça. Bien, voici un City Pass officiel, fourni par le gouverneur. Il t'ouvrira certaines portes. Bonne chance. Bonne prise, Yad. Jade, si tu veux, je t'ai gravé un M-Disc. Je te l'ai mis là. Tout y est expliqué en détail. WH, il avait pu donner quelques infos sur la fabrique, les derniers contacts qu'on a eu et sur le dim disc. Plus rien. Sois prudent, Jade. Je t'envoie mes photos directes. Oui, je te les installe aux lignes sécurisées, tu seras connecté en permanence. Vous n'avez jamais été découvert par la section Alpha? Nous prenons un maximum de précautions. On travaille en petite équipe indépendante. Le chef de la section d'Elysse communique avec nous par ce récepteur contre le mur. Aucun d'entre nous ne connaît sa réelle identité, ni ce fait où il se cache. Qu'est-ce qu'il vous faut comme photo? L'objectif en double, Jade. Révéler aux Liliennes l'existence de trafic d'êtres humains opéré par les Doms et montrer que les sections Alpha sont leurs complices. Vous êtes nombreux? Pas encore, Jade, mais plus on aura d'Liliennes, mieux ce sera. Plus on aura des chances de chasser les sections d'Alpha. Ça avance vraiment bien. Bonne chasse. Opération Liberté. Les sections Alpha nous trompent. Elles sont contrôlées par les Doms et profitent de la débâcle générale pour enlever des innocents. Grâce à WH, nous connaissons le cheminement des victimes sur Elysse. 1. La fabrique de neutrines. 2. Les anciens abattoirs dans des navettes. 3. La Lune dans un cargo croiseur. Nous devons mettre un terme à ce cauchemar. Chaque preuve du complot nous apportera davantage de soutien de la part du peuple. Un soulèvement général nous permettrait de renverser les sections Alpha et de sauver des milliers d'innocents. Si la révolte s'étend, nous pouvons peut-être mettre fin à la guerre. Pour ça, il nous faut des preuves photos pour savoir ce qui se passe à la fabrique. Des photos des victimes, des photos des sections Alpha sans leur casque pour connaître leur vrai visage. C'est là que tu interviens, Jade. Tu reprends la mission de WH. Voici son dernier communiqué. 19h23, je suis dans l'enceinte interdite. 19h30, j'aperçois les navettes qui vont et viennent de la plateforme supérieure. 20h03, j'ai réussi à pénétrer dans la fabrique. 20h50, je suis épuisé. J'ai dû nager au moins 3 km. 21h10, je suis dedans. Ça y est, je vois les caissons noirs. Du bruit. Hé ! Apparemment, ils ont dressé un faucheur. La présence de cet animal et les rayonnements Sigma sont la preuve de l'existence d'un mangeur d'esprit. Ce sont ses derniers clichés. Depuis 4 jours, plus rien. Silence radio. WH était notre meilleur reporter. Il a fait énormément pour nous. Grâce à lui, le réseau Iris a pu entrer en contact avec le gouverneur d'Ilis. Le gouverneur est radicalement opposé aux sections Alpha et à leur méthode, mais elle ne peut agir à découvert. Elle est prête à nous aider si, de notre côté, nous faisons progresser la vérité. Et si de plus en plus d'Iliens font confiance au réseau Iris. Si tu tombes sur une porte de ce type, photographie-la et envoie la photo au gouverneur. Son service d'expert essaiera de te trouver le code. Nous comptons sur toi, Jade.
Sois prudente. Anne. Excellent. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Beyond Good and Evil, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!